Bonjour les amis, alors aujourd'hui ou cette nuit, je vous reçois chez moi sur Google. Là, je vais vous montrer un truc que j'ai découvert à l'instant. On est 22h, 23h au Maroc. Donc, alors j'ouvre le Gmail, mon Gmail, et je découvre Rob Wilson. Rob Wilson, bon, je vais vous dire qui c'est. Alors, you reached 750 subscribers. Congratulations, you have reached 750 abonnés. Bah, comme vous voyez, il est 20h, je pense, 20h19, peut-être en France. Ça, c'est King Tiger, c'est. C'est un ami que j'ai sur parmi vous, qui adore mon commentaire, voilà. Mais je vais vous montrer ça. Alors, tac, qu'est-ce qu'il y a? C'est VidaIQ. VidaIQ, c'est un logiciel qui suit les youtubeurs et qui, bien entendu, leur donne beaucoup d'informations sur les statistiques, etc., etc. Mais là, congratulations, you reached 750 subscribers. Et là, on m'annonce que je viens d'avoir les 750 abonnés. C'est le 25 2021, et ça, hier c'était mon anniversaire. Ça a raté d'un jour, mais ça fait quand même plaisir. Ok. Voilà, et vous savez, en parlant de ça, là, j'ai toujours dans ma vie, quand je travaille, et que je vois que j'ai une montagne devant moi de travaux à finir le plus tôt possible, dans les délais et tout ça, et en travaillant, il y avait toujours un mot qui revenait dans ma tête et qui était inexorablement, ça tourne inexorablement. Je faisais même pas attention, mais chaque mouvement que je fais, chaque geste en travaillant, je disais inexorablement, et ça, bien entendu, les 750, c'est pas énorme, parce que si on compare ce chiffre avec les autres, ben, c'est vraiment les Ypsilon là. Mais bon, ben, pendant cette année, mon commencement sur YouTube, je connaissais pas YouTube avant une année. Ça veut dire que je commence à maîtriser davantage. Je pense que c'est la même chose qui vous arrive à vous. Voilà. Et ça fait plaisir de recevoir quand même des trucs comme ça. Voilà. Puis on peut, par exemple, partager sur Facebook, sur LinkedIn ou sur Twitter. Malheureusement, moi, avec ces gens-là, je suis fâché, parce que Facebook, c'est vraiment, c'est des filous, pour vous dire. Parce que bon, la différence entre Facebook et YouTube, c'est que Facebook, il vous bloque. Il vous bloque. C'est-à-dire que une société comme par exemple Coca-Cola, qui avait des centaines de milliers de fans, un jour s'est vu diminuer de moitié sa correspondance avec ses fans. C'est-à-dire que ils ont un filtre, ils font passer ce qu'ils veulent et arrêter ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que vous, pour vos abonnés, pour vos likes, pour tout, vous savez, bon, tout ce que j'ai fait là, sur YouTube, ben, je suis à presque, je suis pas à 130, mais à 125 vidéos. Je vous assure que si j'étais sur Facebook, j'aurais pas un like sauf le mien. Voilà. Voilà, pour vous dire à quel point ils sont méchants. Et une fois que vous entrez dans leur engrenage, vous payez leur publicité et tout ça, ben ils vous ouvrent des portes insolites que vous n'avez jamais rêvé de découvrir.
Mais une fois que c'est terminé, alors rebelote, ils vous redescendent plus bas que bas, et voilà. LinkedIn, malheureusement, c'est un fouillis, on ne sait même pas ce qu'il y a là-dedans. C'est très mal organisé, des gens qui, je ne sais pas moi, atteignent des grades, des trucs, c'est... Et Twitter, bon, c'est... Je pense que c'est beaucoup mieux que les deux, mais sur le plan, par exemple, contenu, quand on fait quelque chose. Mais malheureusement, eux aussi, ils sont en prison. Ben, c'est pas moi. Je vous assure, je comprends pas. Par exemple, c'est des gens qui sont dans les hautes sphères de la technologie, les technologies modernes, et qui ne sont pas aussi bien organisés. D'ailleurs, même YouTube, il y a des trucs à revoir. Mais YouTube, c'est beaucoup plus clair. C'est-à-dire qu'on est dedans, on pose la question, on a des propositions et on cherche le résultat et un point c'est tout. C'est-à-dire qu'on s'éloigne pas, bien entendu. Il y a des trucs qu'on ne retrouve pas facilement, mais c'est le meilleur. Ok. Donc celui-là, c'est VidIQ, ben il fait ça et tant mieux. Ben, voilà. Pour je pense qu'ils mettent un truc comme ça une fois tous les 100 abonnés, peut-être les 500 et maintenant les 750. Ben, on est à 250 abonnés pour atteindre les 1000. Abonné, à ce moment-là, je vais ouvrir une communauté pour vous faire plaisir. Ok? Voilà. Merci et au revoir. Voilà. Merci. Je fête mon anniversaire tout seul. Bye bye.